Assalamu alaikum. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alayna wa anta khayrul fatihin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha. Anta waliyuha wa mawlaha. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا ربنا وفقنا في رمضان إلى ما تحبه وترضاه اللهم بلغنا ليلة القدر أجمعين اللهم بلغنا ليلة القدر أجمعين اللهم لا تحرمنا عفوها وبركتها وفضلها يا رب العالمين أخرجنا من رمضان وقد رضيت عنا وعفوت عنا وأكرمتنا بالجنة يا أرحم الراحمين آمين. Assalamu alaikum à tous. Alhamdulillah, on se retrouve pour une nouvelle nuit des ambiances Tarawih et une nouvelle nuit du mois du Ramadan. Alhamdulillah, on arrive à la 20e nuit du mois du Ramadan. Subhanallah, on a l'impression que ça avait démarré hier et on est déjà à la 20e nuit du mois du Ramadan. On rentre dans les 10 dernières nuits du mois du Ramadan. Subhanallah, demain, la nuit du 21 sera la première nuit impaire du mois du Ramadan qui pourrait potentiellement être Laylatul Qadr. Subhanallah. Donc on va essayer de profiter de ces dernières nuits qui nous restent avant la fin de ce mois béni, subhanallah, et de redoubler d'efforts et de nous rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala, durant ces dernières nuits qui nous restent, inshallah ta'ala. Sans plus tarder, inshallah. Donc, alhamdulillah, ce soir on a l'honneur et la chance d'être virtuellement depuis la mosquée de Quincy-Boussy. Et alhamdulillah, encore une fois, les mosquées nous accompagne durant ce mois béni. Donc, puisse Allah subhanahu wa ta'ala récompenser toutes les mosquées, tous les responsables, tous les fidèles, tous les bénévoles qui ont participé à ce que, alhamdulillah, les ambiances tarawih puissent exister et qu'on puisse faire rentrer les ambiances des mosquées, de la parole d'Allah et de cette prière qui est la prière des tarawih, de ces nuits bénies du mois du Ramadan dans nos foyers, alhamdulillah. Donc, aujourd'hui, on arrive au hizb numéro 39. Alhamdulillah. Donc pour ceux qui ont leur mushaf, vous pouvez aller à la page 382-383 de votre mushaf, inshallah. Et on va écouter Sheikh Hudhaifa nous réciter les versets 59 à 66 de Sourate An-Naml, inshallah. Et puis on se retrouve juste après pour quelques réflexions, inshallah ta'ala. On passe à la récitation. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله
قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون صدق الله الحمد لله رب العالمين بس الله سبحانه وتعالى récompensé شيخ حذيفة pour cette belle récitation Alhamdulillah. Et ces beaux versets qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie de Sourate An-Naml. Donc habituellement, chaque soir, j'essaie de m'arrêter sur un verset ou deux de la page. Mais donc là, on va essayer peut-être d'aller... Je vais essayer d'aller un peu plus vite, mais de balayer rapidement tout le passage, parce que c'est un passage qui est magnifique dans Sourate An-Naml. C'est un passage qui est assez singulier, d'ailleurs, dans le Coran, où Allah subhanahu wa ta'ala se décrit à nous et où il pose une question qui est très importante et il dit « A'ilahum ma'allah » Subhanallah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ici nous donne une série d'informations, une série de vérités, une série d'informations sur qui il est subhanahu wa ta'ala, quels sont ses noms, quels sont ses attributs, qu'est-ce qu'il fait pour nous. Et à chaque fois qu'il nous donne ces choses-là, ces informations-là, il nous pose la question « A'ilahum ma'allah » Y a-t-il une autre divinité avec Allah ? Et subhanallah, il pose cette question à toute personne qui lit le Coran et qui doit du coup répondre à cette question. Et donc la réponse que doit donner le croyant à cette question, c'est « La ilaha illallah ». « La ilaha illallah ». Ce sont des versets qui nous invitent à refaire vivre ce zikr qui est magnifique, qui est « La ilaha illallah » et le faire vivre en le comprenant, le faire vivre en le ressentant, le faire vivre en l'ayant dans notre cœur. Alors regardez ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Si on démarre au verset 60. أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ سبحان الله. Allah nous pose une question. Qui a créé les cieux et la terre? Qui a fait descendre l'eau qui vient du ciel? Qui a fait que cette eau puisse se mêler à la terre et faire qu'une terre stérile devienne de nouveau vivante? Qui a fait que cette eau et cette terre puissent donner des arbres? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est vous, subhanallah, qui avez permis à ces arbres de grandir? Est-ce que c'est vous qui avez créé les plantes? Est-ce que c'est vous qui avez créé les fruits et qui avez créé les légumes? Subhanallah. Et Allah nous dit « Ma kana lakum antum bitu shajaraha » Subhanallah. Parce que parfois, on a tendance à associer des choses à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce passage de Sourate An-Naml, eh bien, nous redonne l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous fait comprendre que quelles que soient les choses qu'on pourrait associer à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, ce sont de fausses divinités. Ce n'est pas la réalité. Parfois, on pense que parce qu'on a planté une graine, alors c'est grâce à nous que la plante sort. On pense que parce qu'on a arrosé cette graine, qu'on a arrosé cette terre, qu'on a pris soin de cette plante, eh bien c'est grâce à moi, subhanallah, que les choses sont sorties de terre et qu'aujourd'hui il y a des fruits et des légumes. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, vous n'avez pas le pouvoir de faire pousser quoi que ce soit. Vous n'avez pas le pouvoir de faire descendre la pluie du ciel. Vous n'avez pas le pouvoir de créer les cieux et la terre.
Vous n'avez même pas le pouvoir de faire pousser une petite plante. Cette petite plante, subhanallah, si elle pousse, c'est grâce à Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est parce que Allah a décidé de donner la vie à la terre après sa mort. Tout ça, c'est grâce à Allah. Alors, y a-t-il réellement une divinité autre que Allah qui est capable de faire tout ça? A ilahum ma'allah? Et nous lui répondons, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ensuite, il nous dit, amman ja'ala al-arda qarara. وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسيا وجعل بين البحرين حاجزا. Qui a fait de la terre al-qarar, c'est notre lieu de repos, notre lieu de vie, notre lieu d'apaisement, notre lieu où on est là, subhanallah. Qui vous a donné la terre pour maison? Qui vous a donné la terre pour maison? Qui a fait qu'on puisse vivre sur terre? Et qui a rendu cette terre si complexe, si belle, si magnifique, avec les rivières, avec les montagnes, avec ses paysages, avec l'eau, avec la mer, avec l'océan? Qui a créé tout ça, subhanallah? Allah pose la question, amman, qui a fait tout ça, subhanallah? Ce passage de Surat An-Naml nous invite à nous poser la question, qui est derrière chaque chose que je vois? Lorsque je vois la mer, lorsque je vois l'océan, lorsque je vois la montagne, lorsque je vois le ciel, lorsque je vois la pluie, lorsque je vois la terre, est-ce qu'on prend le temps de méditer, de se poser la question, qui est derrière tout ça? Qui est le créateur de tout ça? Qui m'a envoyé tout ça? Qui m'a donné à moi, pauvre être humain, toutes ces choses-là? Amman, qui? Et Allah pose la question, A ilahum ma Allah, une deuxième fois. Et nous te répondons, Ya Allah, La ilaha illa ant. La ilaha illa ant. La ilaha illa Allah. Amma yujibu al-muttarra idha da'ah. Subhanallah. Et là maintenant, Allah ne nous parle plus de la création de ce qu'il y a autour de nous, mais il nous parle de notre relation de nous avec lui. Subhanallah. Qui est celui qui répond à l'invocation de celui qui est dans le besoin, qui est dans la détresse, qui n'a plus le choix? Al-Muttar, c'est celui qui n'a plus le choix, qui est obligé de faire quelque chose. Ça veut dire que vous vous retrouvez dans une situation de votre vie où vous avez regardez toutes les pistes, toutes les solutions, vous avez toqué à toutes les portes, vous avez réfléchi à toutes les possibilités et vous n'avez rien trouvé. Toutes les portes se ferment devant vous au point où vous ne vous dites à un moment « Je n'ai plus qu'une seule porte devant moi, c'est la porte du doua, c'est la porte de l'invocation, c'est la porte d'Allah subhanahu wa ta'ala. » Et là, je suis muttar. Parce que parfois, lorsqu'on a le choix, on ne voit pas vers Allah malheureusement. Lorsqu'on a encore des pistes, on ne va pas vers Allah. Alors qu'on devrait invoquer Allah à chaque instant. Et c'est ça le tawakkul. C'est ça le fait de s'en remettre à lui, d'avoir confiance en lui et non pas en nous. Ce serait de l'invoquer à chaque seconde, à chaque instant, à chaque moment. Même si j'ai un plan, même si je pense savoir comment faire, même si je pense avoir la solution, j'invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il guide mes pas, pour qu'il me montre la bonne voie, pour qu'il m'accorde la réussite. Mais nous, très souvent, on fait l'inverse. On s'en remet à nous-mêmes, on s'en remet à notre force, nos épaules, notre intelligence, nos muscles. Et on va et on va et on va jusqu'au moment où on se trouve bloqué. Bloqué et qu'on n'a plus aucune solution. Et là, on devient muttar. Là, on devient obligé. On n'a plus de choix autre que de lever les mains au ciel et d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah nous dit que même lorsque on a manqué à notre devoir de croyant, même lorsqu'on ne l'a pas invoqué alors qu'on aurait dû et qu'on a attendu cette limite où en fait on l'invoque parce qu'on n'a plus le choix, eh bien, même à ce moment-là, Allah répond à notre appel, subhanallah. Allah pourrait nous dire, il est trop tard. Pourquoi vous ne m'avez pas invoqué plus tôt? Mais Allah répond à notre appel dans sa miséricorde, parce qu'il est Al-Mujib. Il est Al-Mujib. Un des noms d'Allah, c'est Al-Mujib. Celui qui répond à l'invocation, celui qui exauce l'invocation. Il s'est inscrit à lui-même cette obligation d'être Al-Mujib, subhanallah. Donc, quel que soit le moment, quelle que soit la situation, quel que soit l'éloignement, quel que soit les péchés, quel que soit l'égarement, Allah répondra toujours à l'invocation, subhanallah. Et Allah nous pose la question. Combien de fois tu t'es retrouvé dans cette situation et Allah t'a répondu, Amma yujibu al-muttarra idha da'a. Qui? Quelle divinité est al-mujib? Quelle divinité répond aux gens après tant de manquements lorsque la situation arrive et que je n'ai plus le choix? Qui répond? Amman, qui répond? Et il dit, A ilahum ma'allah, subhanallah. Et nous te répondons, Ya Allah, La ilaha illallah. La ilaha illallah. Il n'y a nul autre que toi, Ya Allah, qui peut nous répondre à notre appel, subhanallah.
أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ سُبْحَانَ اللَّهِ. Qui démarre la création pour ensuite la terminer, pour ensuite la renouveler une deuxième fois, subhanallah. Qui a le pouvoir de faire qu'il n'y ait plus rien qui existe? Qui était là avant l'existence de toute chose? Allah, al-awwal, wal-akhir. Qui sera là après la disparition de toute chose? Allah, al-awwal, wal-akhir. Et c'est lui qui nous dit, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Le seul qui restera. Et qui va redonner la vie à toute chose? Qui va redonner la vie aux êtres humains? Qui va nous redonner la vie pour nous ramener à lui et nous emmener au paradis? Subhanallah. Allah. Il est celui qui redonne la vie après la mort. Et Allah nous dit, est-ce que vous connaissez une autre divinité qui sait faire ça? Amman. Qui fait ça? Qui fait ça? A ilahum ma'allah. Et nous te répondons, la ilaha illallah. La ilaha illa anta ya Allah. Subhanallah. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous pose toutes ces questions-là et il nous dit à chaque fois, dans chaque verset, qu'est-ce qui fait qu'on ne répond pas finalement la ilaha illallah. Au début, dans le verset 60, il dit bal hum qawmun ya'adilun. Il y a des gens qui vont mettre au même niveau leur capacité ou les capacités de certaines personnes et les capacités d'Allah. Et il nous dit ça lorsqu'il nous parle de l'agriculture en particulier. Il y a des gens qui vont penser que les résultats, le produit vient de eux, que les fruits de leurs projets, de leurs efforts, ça vient d'eux. Est-ce que nous sommes des gens qui, lorsqu'ils œuvrent et qu'ils ont des résultats, se disent « ça vient de moi, ça vient de moi ». Dans le verset d'après, le verset 61, il dit « بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ». Lorsqu'il nous parle de la création des cieux et de la terre, il nous dit qu'une des causes pour laquelle on ne dit pas « la ilaha illallah » c'est parce qu'on n'a pas le savoir réel. On ne comprend pas les choses, on ne médite pas les choses. Est-ce qu'on a pris le temps d'apprendre, de comprendre, de méditer, d'acquérir ce savoir de la terre, des cieux et de la terre, subhanallah. Ce savoir qui nous permet de comprendre ce que c'est qu'une plante, ce que c'est qu'un arbre, ce que c'est que les étoiles, ce que c'est qu'une montagne, ce que c'est que la mer. Et ce savoir-là, ce « ilm » nous mène vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Le savoir nous mène vers Allah. Bal hum qawmun, bal aktharuhum la ya'lamun. La ya'lamun. Le manque de savoir nous éloigne d'Allah. Essayons de connaître Allah. Allah dit après, dans le verset d'après, qalilan ma tazakkaroun. Subhanallah. Subhanallah. Lorsqu'il nous parle de yujibul muttar. Parce que ça, on le sait. Ça, on n'associe pas à quelqu'un d'autre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, parce qu'on sait que ça ne peut pas venir de nous. Lorsque je suis muttar, lorsque je n'ai plus le choix et que j'invoque et que Allah me répond, je sais que ça ne vient pas de moi. Et j'ai le savoir de cette chose-là. Je sais que Allah m'a répondu. J'ai le savoir et je ne lui associe pas quelqu'un. Je ne me mets pas à son niveau. Alors qu'est-ce qui fait que je ne dis plus la ilaha illallah quand j'ai eu cette chose-là comme expérience? J'oublie. Je ne me rappelle pas, subhanallah. Combien de fois Allah m'a exaucé? Combien de fois Allah m'a sorti de la galère? Combien de fois Allah a répondu à mon appel? Et combien de fois j'ai oublié. Qalila ma tazakkaroun. Subhanallah. Et il dit dans le dernier verset, amma yahdikum. Ah oui, je l'ai oublié tout à l'heure celui-là. Pardon, j'ai sauté, je suis passé au verset d'après. Il dit, amma yahdikum fi dhulumat al-barri wal-bahr. Subhanallah. Qui vous guide dans l'obscurité des cieux et de la terre, dans l'obscurité de l'océan, dans l'obscurité de ce qu'il se passe autour de vous, celui qui envoie le vent. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ta'ala Allahu amma yushrikun. Et dans le verset d'après, qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Après tout ça, si vous pensez qu'il y a réellement une autre divinité qu'Allah, alors donnez des preuves. Donnez des preuves. Allah nous a donné ses preuves. Allah nous a donné ses arguments. Allah nous a démontré qu'il n'existait aucune autre divinité que lui et que c'est en lui qu'on devait remettre nos espoirs, que c'est lui qu'on doit adorer, que c'est lui qu'on doit invoquer, que c'est lui qu'on doit prier, que c'est lui qui nous donne chaque chose, que c'est lui qu'on doit remercier lorsqu'on a des résultats, que c'est vers lui qu'on doit aller lorsqu'on a des épreuves, que c'est vers lui qu'on doit aller lorsqu'on veut être guidé. Allah nous dit, est-ce qu'il y a une autre divinité? La ilaha illallah. Donc je m'invite moi-même, chacun et chacun d'entre nous, inshallah, lorsqu'on lit ces versets magnifiques de Sourate An-Naml, à nous reconnecter à Allah, à le voir dans chaque moment de notre vie, à le voir dans chaque élément de la création,
à le voir en nous-mêmes, dans notre création, mais aussi dans notre guidance, à le voir dans notre relation avec lui, à nous rappeler de lui, et à faire vivre ce zikr qui est magnifique, qui est la ilaha illallah. Essayons d'avoir un moment dans notre journée où on répète la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Essayons de faire vivre ce zikr de la ilaha illallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, la meilleure des choses que j'ai dit moi et les prophètes qui m'ont précédé, c'est la ilaha illallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, renouvelez votre foi avec la ilaha illallah. Pourquoi? Parce que la ilaha illallah est l'attestation de foi. On ne devient pas musulman sans dire la ilaha illallah. Et on renouvelait notre foi en disant la ilaha illallah. Essayons de nous connecter à Allah et de refaire vivre ce zikr qui est oublié, qui est négligé, qui est la ilaha illallah. Le meilleur des zikrs, la meilleure des paroles que les prophètes et les messagers aient dit. La meilleure des choses pour renouveler notre foi, c'est la ilaha illallah. Et sourate An-Naml et le Coran eh bien, nous invitent à connaître Allah, à nous rappeler d'Allah et à renouveler la ilaha illallah dans nos cœurs, inshallah. On va passer au deuxième passage, inshallah. Donc on arrive au Hizb numéro 40. Pour ceux qui ont leur mushaf, encore une fois, vous pouvez aller aux pages 396-397 de votre mushaf. Et on arrive à Sourate Al-Ankabut, et on a la chance ce soir, alhamdoulilah, d'avoir Cheikh Shamsuddin, l'imam de la mosquée de Quincy-Boussy avec nous, qui va nous réciter les versets allant de 1 à 11 de Sourate Al-Ankabut, Inch'Allah. Je vous laisse avec lui et on se retrouve juste après pour quelques réflexions, Inch'Allah. Bismillah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله
ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين صدق الله العظيم. Sadaq Allah al-Azim. Et Allah subhanahu wa ta'ala a récompensé Cheikh Shamsuddin pour cette très belle récitation magnifique, inshallah, qui apaise les cœurs et qui nous rapproche du Qur'an, alhamdoulilah, lui et tous nos shuyukh et tous nos imams. Alors, dans les quelques minutes qui nous restent avant le adhan, inshallah, pareil, on va s'arrêter sur un verset. Alors, il y en aurait plusieurs, encore une fois, que j'aurais aimé traité, mais inshallah, on va essayer de se limiter à un verset. On va s'arrêter sur le verset 8, inshallah, de Surat Al-Ankabut. Un verset qui nous rappelle quelque chose de fondamental, qui est l'importance de nos parents, subhanallah. Et Allah nous dit, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا, subhanallah. Et c'est quelque chose qui revient de manière générale dans le Coran, c'est que Allah, très souvent dans le Coran, nous parle de lui, il nous parle de son adoration, il nous parle du fait qu'il est l'unique divinité, et juste après nous avoir parlé de lui, eh bien, il nous parle des parents. Comme si Allah subhanahu wa ta'ala nous disait, en premier lieu, je vous demande de m'adorer moi et uniquement moi, et la deuxième priorité que je vous donne dans votre vie, c'est de vous occuper de vos parents. Pourquoi les parents en particulier? Parce que les parents sont finalement cette réalisation de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui a mis une partie de sa miséricorde dans le cœur des papas et dans le cœur des mamans. Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui a choisi nos parents pour être ceux qui sont garants de notre destin, ceux qui s'occupent de nous lorsqu'on vient de naître, subhanallah. Lorsqu'on sort du ventre de notre maman, on n'a personne pour s'occuper de nous, si ce n'est nos parents, subhanallah. Lorsqu'on est un bébé, on est totalement assisté, on ne peut rien faire, on ne peut rien faire de par nous-mêmes, on ne peut pas s'occuper de nous-mêmes, on est totalement dépendant. Et c'est à ce moment-là précis de notre vie que Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie nos parents, que nos parents s'occupent de nous. D'ailleurs, on remarquera que dans le Coran, lorsque Allah nous parle des parents, il parle très souvent de la période, eh bien, de nos 2-3 premières années de vie, subhanallah. Allah, lorsqu'il nous parle des parents, lorsqu'il dit « وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا » Si vous prenez dans par exemple, Surat Luqman ou d'autres, il dit « حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنًا » Dans un autre verset, il dit « كَرْهَا » Donc, il nous rappelle cette période de la grossesse. Il nous rappelle cette période où nos mamans nous ont portés dans leur ventre. Il nous rappelle cette période de notre vie où, lorsque la maman mange, subhanallah, elle nourrit deux corps. Lorsque la maman se balade dans la rue ou qu'elle marche ou qu'elle fait quoi que ce soit, elle porte deux cœurs, subhanallah. Quelle plus grande miséricorde que d'être deux personnes dans une même personne. Subhanallah, il n'y a pas de plus belle fusion que d'être deux âmes, deux corps, deux cœurs, deux êtres entiers en une seule et même personne, subhanallah. Et ça, c'est la miséricorde que Allah a mis dans le ventre de la maman. Subhanallah, lorsqu'il a décidé de nous créer, Allah a décidé de nous créer avec miséricorde et en créant ce lien d'amour, ce lien de miséricorde entre nous et nos mamans. Et Allah nous rappelle ce passage-là. Et lorsque on est, Allah nous rappelle ces moments de notre vie où on est assisté. Lorsque Allah nous dit وَفِصَالُهُ فِي عَمَيْنِ, Allah nous rappelle cette période où la maman nous donne à manger, où on est allaité, où on se réveille la nuit, où on est malade, où on a besoin qu'on nous change nos couches, subhanallah. Cette période qui est très difficile pour les parents. Cette période où on se réveille, où on dort mal, où on dort peu, où on est très fatigué,
et où notre priorité dans la vie, c'est ce petit enfant qui est inoffensif, qui est si beau, si mignon, et qui vient de sortir du ventre de sa maman, et qui a besoin de quelqu'un pour s'occuper de lui. Parce qu'un enfant, un nouveau-né, si on le laisse tout seul, il meurt. Un nouveau-né, si on le laisse sans manger, il meurt. Un nouveau-né, si on le laisse sans s'occuper de lui, sans le protéger, il meurt, subhanallah. Donc on est garant de la vie de nos enfants. Nos parents ont été garants de notre vie. Nos parents se sont occupés de nous, subhanallah. Et ça, c'est juste le début de notre vie. Et aujourd'hui, subhanallah, on voit parfois, malheureusement, beaucoup de jeunes ou de moins jeunes qui, lorsqu'ils grandissent, eh bien, se lèvent contre leurs parents. Lorsqu'ils grandissent, on a l'impression que leurs parents sont des gens qui sont arriérés, qui sont déconnectés, qui ne comprennent rien, qui ne sont pas à jour, qui ne sont pas de la nouvelle génération. Et lorsqu'on devient adulte, lorsqu'on est jeune, adolescent, on a l'impression que c'est ce décalage de génération qui met un frein entre nous et nos parents, qui va faire qu'on va se moquer d'eux, qu'on ne va pas les écouter, qu'on ne va pas les considérer, qu'on ne va pas les consulter parce que soi-disant ils ne nous comprennent pas. Et lorsqu'on grandit, qu'on devient adulte, eh bien subhanallah, les savants nous disent qu'il y a ces phases de la maturité de l'être humain. Et lorsqu'on devient adulte, une des choses que l'être humain acquiert le plus, c'est sa confiance en lui, sa confiance en son cerveau, sa confiance en son intelligence, sa confiance dans ses idées. Et là, on rentre dans le débat d'idées. Et on a l'impression d'avoir raison, d'avoir toujours raison, et que nos parents, encore une fois, ont tort. Et c'est cette phase-là où, quand on devient adulte et qu'on vieillit, qu'on grandit, eh bien que nos parents vieillissent aussi. Et lorsque eux vieillissent, eh bien, ils perdent de leur maturité, ils perdent de leur capacité, ils perdent de leur autonomie, ils perdent de leur santé. Et c'est pour ça que Allah nous dit dans Surat Al-Isra, imma yablughanna 'indaka al-kibar. Subhanallah. Allah nous invite à être bons envers nos parents durant toute leur vie. Wa wassalna al-insana biwalidayhi ihsana. Ihsana signifie que je donne le meilleur de moi-même. Al-ihsan, c'est an ta'bud Allah ka'annaka tarah. Que tu adores Allah comme si tu le voyais. Sois avec tes parents comme si Allah t'observait. Fais le meilleur que tu peux avec tes parents. Les meilleures des paroles, les meilleures des actions. Sois tendre et aimant avec tes parents. Tes parents t'ont donné tout lorsque tu étais enfant. Tes parents ont été miséricordieux avec toi lorsque tu es enfant. Sois miséricordieux avec eux lorsqu'ils sont adultes. Lorsque eux ont besoin de ton amour, donne-leur ton amour. Ils t'ont donné tant d'amour lorsque tu en avais besoin. Lorsque tu étais bébé, ils t'ont donné tant d'amour. Ils t'ont donné tant de soins, ils t'ont donné tant d'attention, ils t'ont donné tant de précautions, tant de sécurité, tant de temps, tant d'énergie. Subhanallah. Et lorsque eux deviennent vieux, tu les laisses. Lorsque eux deviennent vieux, tu ne vas plus les voir, tu ne les appelles plus. Lorsque eux deviennent vieux, tu les jettes. Lorsque eux deviennent vieux, tu ne les considères pas, tu leur cries dessus. Lorsque eux deviennent vieux, tu ne les supportes plus. Parce qu'ils manquent de patience, parce qu'ils ne sont plus autonomes, parce qu'ils racontent des bêtises, parce qu'ils ne sont pas à jour, parce que leurs paroles ne te blessent pas, parce que leurs paroles sont des paroles qui datent de 50 ans, c'est ça? Subhanallah, tu étais bébé, ils t'ont supporté. Tu faisais n'importe quoi, ils te supportaient. Tu cassais tout dans la maison, ils te supportaient. Tu faisais caca sur toi, ils te supportaient, ils te changeaient. Tu avais besoin de manger à 3h du matin, ils étaient là. À 4h du matin, ils étaient là. À 5h du matin, ils étaient là. Tu étais malade, ils étaient là. Tu avais besoin d'aller à l'hôpital, ils étaient là. Tu grandissais, tu as été dans l'adolescence, tu as fait n'importe quoi, ils ont été patients avec toi. Ils ont continué de te supporter, continué de te conseiller, continué de t'éduquer. Aujourd'hui, tu as 30 ans, 40 ans, 50 ans, et ils ont toujours peur pour toi. Et ils sont toujours prêts à tout sacrifier pour toi. Ils sont toujours prêts à tout donner pour toi. Subhanallah. Subhanallah. Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana. Comment ne pas rendre la pareille à nos parents? Subhanallah. Comment être ingrat avec nos parents? Comment ne pas supporter nos parents? Comment dire à nos parents qu'on en a marre d'eux? Qu'ils ne sont pas à la hauteur? Qu'on ne veut plus les voir? Qu'on ne les appelle pas, qu'ils nous cassent la tête, subhanallah. Alors que Allah nous dit, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا. Et ton Seigneur a inscrit, a prescrit, a ordonné que vous n'adoriez que lui, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.
et que vous soyez bons, les meilleurs que vous puissiez, envers vos parents. Imma yablughanna 'indaka al-kibar. Et si en plus ils deviennent vieux, al-ihsan, c'est tout le temps avec nos parents, quel que soit leur âge. Et lorsqu'ils deviennent vieux, c'est encore plus. La taqul lahumā uff. Subhanallah. Parce que lorsqu'ils deviennent vieux, oui, ils deviennent plus difficiles. Oui, ils deviennent moins patients. Oui, ils sont moins autonomes. Oui, ils sont assistés. Oui, ils ont besoin de nous. Oui, ils sont malades. Oui, ils n'ont peut-être plus toutes leurs raisons en fonction de leur âge. Mais ce n'est rien à côté de ce qu'ils ont fait pour toi lorsque toi, tu étais dans la même situation. Lorsque toi, tu étais enfant. وَقُلْ رَبِّ رَحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Et avant, وَخْفِرْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. Subhanallah. Entoure-les, enveloppe-les avec les ailes de la miséricorde. وَقُلْ رَبِّ رَحَمْهُمَا. Et demande à Allah de leur faire miséricorde, de leur donner de l'amour et de la miséricorde, de la tendresse et de la clémence et de l'indulgence. Pourquoi ? كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Parce qu'ils t'ont éduqué quand tu étais petit. Parce qu'ils ont pris soin de toi quand tu étais petit. Parce qu'ils t'ont donné de l'amour quand tu étais petit. Est-ce que le minimum du minimum on fait cette invocation pour nos parents ? بِاللَّهِ عَلَيْكُمْ. Est-ce qu'on prend le temps de dire رَبِّ رَحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. C'est un ordre. C'est un ordre d'Allah. وَقُلْ. قُلْ. C'est pas facultatif, c'est pas recommandé, c'est un ordre. Allah nous dit, dis. Dis cette parole pour tes parents. Dis-la. Ni plus ni moins. Je te demande pas de réfléchir. Je te demande de dire ça pour tes parents. C'est le minimum que tu puisses faire. Lever les mains et leur dire رَبِّ رَحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Subhanallah. Donc sincèrement, on pourrait parler pendant des heures encore une fois des parents. Quel que soit ce qu'on dirait, on ne pourra jamais les remercier à la hauteur de ce qu'ils ont fait pour nous. Et on a parfois aussi des parents qui ne sont plus là, qui sont absents. Et la crise du Covid a fait que beaucoup de gens ont perdu leurs parents. Parce que ce sont surtout les personnes âgées qui ont été touchées par la maladie forte et la mort. Et depuis 2 ans, on voit des gens dans notre entourage qui perdent leurs frères, leurs sœurs, leurs parents, leurs oncles, leurs tantes, leurs grands-parents. Subhanallah. Et c'est quand les gens ne sont plus là qu'on se rend compte qu'on aurait peut-être dû faire mieux. Qu'on se rend compte que, subhanallah, ils avaient tellement de bonté, d'avantages, et que nous, on voyait le mauvais côté des choses. Qu'on se rend compte qu'on aimerait encore leur faire un câlin une dernière fois. Qu'on aimerait encore leur dire « je t'aime » une dernière fois. Qu'on aimerait encore leur dire « pardon » une dernière fois. Qu'on aimerait encore les prendre dans nos bras une dernière fois. Et on se rend compte de ça quand nos parents sont morts. Alors essayons de profiter, en tout cas pour ceux dont les parents sont vivants, ou au moins un parent qui est vivant, eh bien de profiter de ce mois du Ramadan pour leur dire merci, pour leur dire pardon, pour leur dire je t'aime. Et essayons de profiter de ce mois du Ramadan aussi pour leur faire des invocations, à nous et eux, pour que si jamais ils sont morts, eh bien qu'on puisse rentrer ensemble au paradis. Parce que la séparation va tous nous frapper. Soit nos parents vont mourir avant nous, soit on va mourir avant nos parents. C'est inéluctable. Et donc notre espoir le plus grand, c'est qu'on se retrouve en famille au paradis. C'est qu'on se retrouve avec nos parents au paradis. Donc pour ceux qui ont perdu leurs parents ou un de leurs parents, faisons des invocations pour qu'ils soient avec nous, inshallah, au paradis. Et essayons, nous aussi, de faire notre maximum pour préserver notre famille. Et que notre famille, inshallah, aille au paradis, qu'on se retrouve, inshallah, tous au paradis, inshallah ta'ala. Je pense que le azan a dû passer depuis 5 minutes maintenant, alhamdoulilah. On va passer au azan, inshallah, et juste après le azan, on se retrouvera avec les invocations, comme chaque soir, inshallah. On passe au azan, bismillah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا
رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير. On va passer aux invocations, inshallah. Comme chaque soir, je vous invite à vous concentrer avec les invocations, à dire Amin avec vos cœurs derrière notre Cheikh, Cheikh Hudhayfa, puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous récompenser pour ses efforts, pour nous faire vivre ces moments bénis durant la nuit des mois du Ramadan. Chaque soir, alhamdoulillah. Et comme je le disais, on arrive dans les 10 dernières nuits. Donc c'est le moment de redoubler d'efforts, c'est le moment de redoubler les invocations, c'est le moment de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala un maximum. Et donc on va essayer d'en profiter, inshallah wa ta'ala. On passe aux invocations et on clôturera juste après, inshallah. Bismillah. اللهم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك لك الحمد يا ربنا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما لك الحمد والثناء أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلاة ترضى بها عنا وترضيه بها عنا يا رب العالمين اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك هب لنا منك عملا صالحا يقربنا إليك أعنا يا ربنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم نسألك في هذه الليلة المباركة من ليالي رمضان وللصائم دعوة لا ترد يا الله فاجعل دعاءنا الليلة مقبولا
نسألك يا ربنا في هذه الليلة المباركة من ليالي رمضان أن تغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهم حيا فأطل عمره في طاعتك يا الله، اللهم أطل عمره في طاعتك يا الله، واجعل طاعتك أحب الأشياء إليه يا الله. اللهم من كان منهم حيا فأحيه على الإيمان، وأطل عمره على الإيمان، واكتب لنا وله خاتمة السعادة يا الله، واكتب لنا وله خاتمة السعادة يا الله. اللهم ارزقنا برهما، اللهم ارزقنا برهما، اللهم ارزقنا رضاهما، اللهم رضهم عنا يا الله. اللهم اجبر تقصيرنا في حقهما يا الله، اللهم سامحنا على تقصيرنا معهما يا الله. نسألك لآبائنا وأمهاتنا من كل خير، نسألك لآبائنا وأمهاتنا البركة يا الله، والرحمة يا الله، والمغفرة يا الله، والعتق من النيران يا الله. أعتق رقابهما من النار، أعتق رقابهما من النار، أعتق رقابهما من النار. اجعلهم يا ربنا من سكان الفردوس الأعلى. اللهم اكتب لآبائنا وأمهاتنا الفردوس الأعلى، اللهم ارزقهما لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم ارزقهما لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم اكتب لهما ثواب طاعتنا وقراءتنا وصيامنا وصلاتنا وسائر أعمالنا. رب ارحمهما بما ربونا، رب ارحمهما بما علمونا، رب ارحمهما بما ربونا، رب ارحمهما بما علمونا، رب ارحمهما بمقدار ما في قلوبهم من الرحمة لنا وأكثر من ذلك، فأنت أرحم الراحمين. اللهم اكتب لآبائنا وأمهاتنا سعادة الدنيا والآخرة يا الله، يا الله، اجعلهما من السعداء. اللهم اشف مريضهما، من كان منهما مريضا فاشفه يا الله، من كان منهما مريضا فاشفه يا الله، من كان منهما مريضا فاشفه يا الله، ومن كان منهما ميتا فارحمه يا الله، ومن كان منهما ميتا
فارحمه يا الله. أنزل عليهم في قبورهم الآن الضياء والنور والفسحة والسرور، واجعل الليلة أسعد لياليهما برحماتك يا الله، وجداتنا وأجدادنا ومن كان له حق علينا، ارحمهم جميعا برحمتك يا الله، ارحمهم جميعا برحمتك يا الله، واجعلهم يا ربنا من عبادك السعداء، واجعلهم ممن حرمت أجسادهم على النار يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. يا ربنا أحببناهما، يا ربنا أحببناهما، يا ربنا أحببناهما، فنسألك لهما يا ربنا رضاك، فنسألك لهما يا ربنا رضاك، فنسألك لهما يا ربنا رضاك. يا رب نسألك ألا تنقضي هذه الركعة إلا وقد بيضت صحيفتيهما، إلا وقد بيضت وجهيهما، إلا وقد كتبتهما من أهل الجنة يا الله. اللهم من تصدق عن والديه اليوم فاقبل صدقته، واجعلها لهم سعادة بين يديك يا الله، واجعلها لهم سعادة بين يديك يا الله. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، puisse الله سبحانه وتعالى récompenser شيخ حذيفة pour ses invocations magnifiques. والحمد لله، qui nous permettent à la fois de vivre ces nuits bénies du mois du Ramadan et qui sont à la fois chaque soir en lien avec les passages du Coran. Subhanallah. Cheikh Hudhaifa est un des rares imams que je connais qui a cette capacité à trouver des invocations qui vont avec les versets, subhanallah. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'adore prier derrière lui les tarawih. Et c'est pour ça que je vais chaque soir, avant le Covid, prier derrière lui. Il arrive chaque soir à nous faire vivre les versets en les récitant et ensuite les versets en invoquant, subhanallah. Et comme je le disais il y a quelques semaines au début de l'émission, cette année on n'a pas le temps de se concerter avec Cheikh Hudhaifa avant l'émission. Et subhanallah, c'est Allah qui régulièrement guide nos cœurs vers les mêmes méditations, que ce soit pour les quelques mots que je vous dis en réflexion des versets ou ses invocations à lui. Et subhanallah, ce soir on a tous les deux été touchés par ce passage sur les parents. Pourtant c'était un verset dans la page. La probabilité qu'on tombe sur le même verset dans nos méditations était rare, mais c'est Allah qui guide nos cœurs chaque soir. Donc je tenais sincèrement à remercier Cheikh Hudhaifa pour ses efforts, pour son accompagnement avec nous tous les soirs, pour ses invocations, et aussi pour tout ce qu'il faisait, même avant le Covid et avant Ambiance Tarawih, le fait de diriger, d'être l'imam à la mosquée d'Aulnay et de permettre à des milliers de personnes qui prient derrière lui de vivre le Coran de cette manière. C'est, alhamdoulilah, un grand bienfait qu'il nous apporte, et qu'Allah récompense également tous nos autres imams et tous nos autres mosquées et toutes nos autres mosquées, alhamdoulilah, celles qui sont avec nous dans l'émission et celles qu'on ne connaît pas, qui sont partout en France et partout dans le monde
et qui sont toutes des endroits où la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala descend. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala rouvrir nos mosquées, nous permettre de vivre ces moments, inshallah. J'espère l'année prochaine, ces tarawih qu'on n'a pas eu depuis 2 ans, alhamdoulilah, et illuminer nos nuits grâce à nos imams et nos mosquées, inshallah. On va s'arrêter là, inshallah. Donc, comme chaque soir, je vous invite à profiter de la nuit, à prier, inshallah, à invoquer, à évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Comme je l'ai dit au début, on arrive aux 10 dernières nuits du mois du Ramadan. Le temps se fait court et on se rapproche de la fin. Donc, c'est le moment de retrousser les manches et de se donner un maximum, inshallah ta'ala. Je vous dis à demain soir, inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.